aujourd'hui je suis dans le Tarn, je suis vers Montauban, au nord de Toulouse, pour apprendre à faire voler un drone. Et comme j'ai envie de faire ça correctement, je suis allé voir un ami en fait, qui est juste derrière, qui est en train de faire voler le sien, qui est un pilote de drone professionnel, donc il nous a accompagné sur quelques trips avec Pyrénaline, notamment dans les Pyrénées. Et c'était assez sympa, vous pouvez voir sur les images. Et l'idée c'est que de voir si c'est possible de piloter un drone quand on n'y connaît rien. Et en fait avant d'acheter un drone j'aimerais vraiment savoir piloter. Donc on va voir si c'est possible. Salut Arnaud, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va. Je vois que tu t'éclates avec ton drone là. Et ouais, il fait beau, c'est le temps pour voler. Excellent. Bon alors, il y a moins que je teste? Ah, faudrait que tu commences par un truc un peu plus facile, je pense. C'est une machine de taille moyenne. Il faudrait peut-être commencer par des petits drones de loisirs pour apprendre à piloter, parce que ça s'apprend quand même hein, avant de se lancer dans la prise de vue aérienne. Ok. Bon, bah, on va voir ça dans la suite de ce vlog. On va tester avec des modèles un peu plus petits. Parce que, ouais, un truc comme ça, ça serait con de le cracher, non? Ça serait dommage, ouais, ça coûte un peu d'argent. Donc aujourd'hui, on va apprendre à piloter un tout petit drone parce que en fait, c'est mieux pour commencer. C'est ça, hein, c'est mieux pour commencer un ouais, petit drone. Ça coûte moins cher, disons. Parce que je pense qu'on va bien le cracher et ça sera pas très cher parce qu'en gros, ça va être ça. Donc là, je mettrai les références du drone dans la description de la vidéo. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte pas très cher. Ça coûte entre 40 et 50 euros. Ouais, c'est ça, ouais, tout complet, ouais. Voilà, donc moi j'ai acheté des hélices en plus parce que bon, on va le cracher donc forcément il va falloir un peu le réparer et des batteries en plus parce que c'est ça qui le fait voler. Voilà, donc l'idée c'est d'apprendre un petit peu à le piloter et essayer de le faire voler un peu en mode manuel avant de passer sur une machine un peu plus grosse. Et on va voir ça tout de suite avec Arnaud. Ah, tu vois, déjà. Quand on décolle, il part un peu moins loin quoi. Dès que tu sors de la table, tu coupes les gaz pour porter ça. Voilà. Et une fois que tu auras ça en main, alors après il faut te dire qu'elle est configurable aussi ta truc, c'est-à-dire que tu as deux modes. Voilà, avec ton stick de droite, tout doucement, plus finement que ça, tu vas le garder sur la table. Donc le gaz, voilà, revient tout doucement, tout doucement. Ça part, mais super vite. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si jamais t'es pas encore prêt à évoluer dans l'espace avec ton drone comme tu le voudrais, et notamment tourner ton drone vers toi. Mais la plus simple des transitions, c'est de décoller, puis tu le suis ton drone. Voilà, tu le maintiens toujours en position devant toi, et puis si tu veux aller passer des obstacles, hop, tu le suis, tu restes toujours dans le même cap. Comme ça, au moins, tu fais pas d'erreur de pilotage, d'inversion surtout. C'est ça qui est un peu handicapant au début, c'est les inversions. Et du coup, quand tu inverses les commandes de pilotage, ça te met un peu ailleurs, quoi. Bon, j'ai challengé Arnaud. En gros, l'idée, c'est de le poser. De poser le drone sur la cheminée qui est là et de le refaire décoller dans la foulée sans que il reste en haut parce qu'en fait t'as pas d'échelle, c'est ça? Non, là j'ai pas d'échelle. J'aime bien quand c'est stupide. Les challenges qui font progresser en pilotage. Ouais, il y a toujours le risque de perte de machine quoi. Alors, le problème c'est de voir l'altitude.
Je vais redécoller, on va voir. Ah, yes. Excellent. Mais c'est génial, c'est-à-dire que tu peux livrer des trucs au premier étage de chez toi en fait. Ouais, un paquet de chewing-gum ou... Non, ça marche, on peut faire plein de choses, même avec des petites machines comme ça, on peut aller très très loin. Ça sert à rien d'acheter, de mettre 1000 euros à 40 euros, on peut passer une année à apprendre à piloter sans limite. Ouais. Vraiment des machines. Bon, le truc c'est qu'en général, quand on a ça à Noël, en général on le fout 2-3 fois sur le toit et après c'est fini, on l'oublie, on le pose dans un placard. Mais l'expérience montre que pour apprendre à piloter, il faut en consommer au minimum un si on est assez bon, ouais. Si on est assez adroit de ses mains. Sinon en moyenne c'est plutôt 2 quoi. Ouais. Vaut mieux acheter les petits à 15 euros pour apprendre à vraiment les maniements du pilotage. Et puis une fois que t'as acquis des bases, tu passes sur un truc à 40, ça t'évite d'en casser. Forcément, quand t'as jamais piloté ça, t'en crames au moins un ou deux. Ça, c'est pour ça, hélice de rechange, moteur de rechange, tout ça, ça doit être acheté quand tu commences, si tu veux apprendre à piloter. Ouais. Et c'est le début aussi, même si tu veux passer à plus gros après, quoi. Mmh. Et c'est une très mauvaise idée de commencer avec un drone à 1500 euros et de partir comme ça, même si ça vole tout seul. Le jour où ça vole plus tout seul, parce que ça arrive sur les endroits, les machines, t'as pas de GPS, pas de signal, ben là tu te retrouves un peu en danger quoi pour ton drone. T'as quand même 1500 euros en l'air. Hein, ouais. Enfin voilà quoi. Et puis pour les gens qui sont en dessous en plus. Et les gens qui sont évidemment en dessous. Après bon, c'est vrai que les cas sont rares quand tu voles au-dessus des gens. Normalement t'es pas censé voler au-dessus des gens. Faut faire ça par étapes, c'est comme tout quoi. Vous savez, ça ressemble tellement à des jouets. C'est clair. Ça donne envie. C'est clair, et c'est pour ça, c'est l'intérêt de ce vlog, c'est de vous montrer d'abord la première étape qui est le pilotage d'un tout petit truc comme ça, et ensuite passer sur plus haut. Et on va passer sur plus haut avec ce que tu nous as préparé. Ça, c'est un drone qu'il y a là-dedans ? Ouais, c'est juste les batteries qui sont posées. Bah, on vole avec ça, là, juste avant. Là, on volait avec le Upsan, on volait avec ces petits trucs, là, ça fait 300-400 mAh. Et après, là, on passe sur... sur du drone de 2 kg, donc avec des batteries entre 400 et 800 grammes. Et donc voilà, c'est une machine un peu plus grosse. Une machine qui fait... Alors les drones, ça se définit en termes de longueur de diagonale entre axe moteur. Donc là, c'est pas forcément diagonale d'ailleurs, c'est la distance entre les moteurs, entre les axes moteurs. Et là, ça, c'est un 450. Mmh. C'est le format standard. C'est à peine plus gros, ou je crois que c'est exactement de la taille du Phantom. C'est le format Phantom, sauf que là, c'est pas le kit tout fait, c'est le kit à se monter soi-même. Mm-hmm. Mais le matériel à l'intérieur reste le même que les versions jusqu'au Phantom 2. Voilà, ça c'est un peu la solution par excellence pour faire des images très correctes par rapport à un prix d'achat assez intéressant quoi. Voilà, c'est un matos sur lequel on peut intervenir soi-même, c'est-à-dire que le Phantom il vaut mieux envoyer ça en atelier, c'est pas des modules plug and play comme on peut le trouver sur ce genre de matos. C'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est pas très très compliqué non plus à monter. Il suffit d'avoir quelques bases, enfin pour un photographe ou quelqu'un qui sait un peu servir de ses mains, ça pose aucun problème à monter ce genre de machine. Et c'est d'autant plus intéressant de les monter soi-même qu'on peut se les réparer quoi. C'est surtout ça l'intérêt. C'est tout ce qui est Phantom, Mavic, tout ça, c'est d'excellentes machines, qu'on soit d'accord. Mais si vous avez quelque chose de cassé dessus, faut racheter le même tout neuf, le même modèle, et puis les pièces détachées, ça vaut un peu plus cher que sur ce genre de choses quoi. Hey, don't touch that! What the hell? What the hell? Ça me rappelle quelque chose ce plan. Bon ben on va finir le vlog sur cette petite touche de nostalgie au pic du midi où on a bien rigolé avec Arnaud, avec Pierre et Naline. Et vous avez vu quelques images dans ce vlog. Et merci Arnaud pour ton accueil. C'était cool, j'espère que vous avez appris des trucs dans ce vlog et que ça va vous donner envie de faire du drone. Parce que c'est chouette.
Et puis surtout, faites appel à des pros si jamais vous êtes à une entreprise qui a besoin d'un bon pilote de drone. Suivez mon doigt. Voilà, toutes les infos sur Arnaud et rhd.com dans la description de la vidéo. Allez faire un tour sur son site, il y a tout ce qu'il a fait sur Pyrénaline et tout, sur Facebook aussi. Hein. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et on se voit dans le prochain vlog. À bientôt.